Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes amis de l'Amérique latine et de la France. Cette année, l'association France-Amérique latine, l'ADFRAN, remet son prix d'honneur à un violoniste qui joue et interprète avec cœur, avec beaucoup d'émotion, Oscar Bohorquez. Oscar, qui est d'origine latino-américaine, mais incarne si bien cette amitié qui nous unit, l'une de Bach, l'autre de Piazzolla, et puis une improvisation. Mais tu vas interpréter ses œuvres avec un violon, je crois, tout à fait exceptionnel. Absolument. Ça, c'est le violon que je joue depuis pas longtemps. C'est un Guarneri del Gesù. Je le montre un peu comme ça. Il est superbe, de l'année 1729. Et il y a très peu dans le monde, il y a une centaine à peu près. Et ce genre de violon a été préféré par Paganini, par exemple, et depuis Isaac Stern ou Heifetz aussi. C'est un énorme honneur et privilège pour moi de le jouer et partager avec vous. Et le choix des œuvres que j'ai fait, avec Piazzolla, par exemple, il y a une raison, c'est le centenaire de sa naissance cette année. Et j'ai sorti un CD à son honneur aussi, à son hommage de Piazzolla. Que j'ai avec, ici. Oui, tout à fait. Voilà. Avec le Patagonia Express Trio, et avec mon frère en violoncelle, et Gustavo Bettelmann au piano, qui était encore en tournée avec Astor Piazzolla en 77. Ici à Paris, ils ont commencé leur tournée et après en Europe. D'accord. Donc j'ai, si tu veux, un lien indirect avec la personne, le musicien Astor Piazzolla, grâce à Gustavo Bettelmann. Voilà. Après, il y a Bach, Johann Sebastian Bach que je vais jouer. Interprète beaucoup, oui, absolument. Là, j'ai aussi enregistré les sonates de Bach. Ça, c'était un enregistrement à Buenos Aires, en Argentine. Et le troisième morceau que je vais jouer, c'est ma propre improvisation que j'ai fait il y a des années et qui est devenue une composition que j'appelle Esprit Libre. Voilà. Merci beaucoup, Oscar. Et nous allons t'écouter avec énormément d'attention. Merci. Bueno, de Johann Sebastian Bach voy a tocar el doble de la primera partita. Thank you.
Ahora voy a tocar de Astor Piazzolla el estudio de tango número 4. Ahora voy a tocar mi propia improvisación, que se volvió una composición, que lo llamo Espíritu Libre. Thank you.
Oscar Bohorquez, Latfran este año tiene la alegría muy fuerte, muy grande, de entregarte su premio, un premio de honor para el año 2021, que además es un año bastante particular, y le pusiste color, le pusiste corazón y ánimo gracias a tu arte, tú que eres un gran violinista. Así que muchas felicidades, Oscar. Muchas, muchas gracias. Es un gran placer recibir este premio, sobre todo por mis orígenes en Perú y Uruguay, de mis padres, que también son músicos, y hacer esta conexión entre Francia y Latinoamérica. Entonces, muchas, muchas gracias. Ese premio, Oscar, pone en relieve a la vez América Latina. Ese premio presenta varios sitios de América Latina que están inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, y a través de eso pues queremos subrayar la fuerza cultural de América Latina y obviamente el enlace con Francia. Tú representas todo eso con ese talento, esa magia de tu arte, así que es un gran honor para nosotros, un gran gusto. Merci et merci de porter si haut l'amitié entre la France et l'Amérique latine.